Ces étudiants s'apprêtent à travailler dans le monde du luxe, un univers impitoyable où il faut coller à l'étiquette. Alors, la première règle des bonnes manières, c'est une très bonne excuse. Nous allons apprendre à faire une entrée dans une salle de cocktail. Une salle de classe transformée en salon de l'ambassadeur. Épreuve du jour pour cet étudiant, donner l'impression d'être top cool alors qu'à l'intérieur, bah, c'est vrai qu'il n'est pas évident à obtenir le diplôme de bonne manière. Même si vous n'êtes pas à l'aise, vous entrez et vous arrêtez. D'accord? Vous êtes là, sans les bras croisés, vous êtes bien sûr de vous. Dès qu'il rentre, les yeux sont sur lui. Les button codes, c'est comme un passeport. Et une fois que nous avons appris les bonnes manières, nous pourrions passer partout. 2 heures d'étiquette et vous percerez tous les secrets d'une soirée mondaine. Comment serrer la main de votre voisin? De quelle manière s'immiscer dans une discussion? Et sur sujet de conversation faut-il aborder? Les Anglais, ils n'aiment pas du tout les questions personnelles. Par exemple, comment va votre fils? Comment va votre chien? C'est trop personnel pour les Anglais. Les Américains, par contre, ils vont vous demander « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»